c'est Noël à Disneyland Paris, et cela représente un véritable défi pour les cast members. Après les célébrations d'Halloween, ils n'ont que quelques jours pour habiller entièrement le parc aux couleurs de Noël. Au programme, changer toutes les décorations sur plus de 100 sapins, installer 500 guirlandes sur Main Street USA, embellir le château de la Belle au Bois Dormant de plus de 60 000 ampoules, mettre au point la nouvelle parade, régler le nouveau spectacle son et lumière, et surtout, installer le gigantesque sapin de Noël qui trônera au milieu du parc. Véritable course contre la montre qui mobilise entièrement les 15 000 employés de notre destination. Comment parviennent-ils à relever ce défi? Que se passe-t-il la nuit quand le parc ferme ses portes au public? Pour la première fois, une équipe de télévision a pu suivre pas à pas toute cette préparation afin de diffuser, le 10 décembre, un document exceptionnel sur la chaîne TMZ. Une occasion rare d'admirer le savoir-faire qui permet de mettre au point les mets qui raviront les papilles de nos visiteurs lors des soirées de fin d'année. Caler vraiment la commande. Tout à fait, c'est un travail d'équilibrage et au prix des produits, il faut qu'on fasse un équilibrage très fin parce qu'on ne peut pas commander 20 ou 30 kilos de homard en plus de ce qu'on a besoin. Parce que ce sont des moments exceptionnels et il faut vraiment que nos visiteurs, quand ils payent certains prix, un certain menu, la retrouve des produits de qualité et travailler d'une façon exceptionnelle. Un vrai travail d'artiste. En fait, encore une fois, il faut qu'on arrive à mettre les produits en valeur, à donner de la couleur.